Yo crase mi, yo vole, yo leve serami, et puis ouais, Kara son kay abandonné. C'est ça Haïti réduit après départ, après assassinat Jovenel Moïse. Port-au-Prince, n'a pas gagné une manifestation qui a rassemblé en bas lumière la rue. N'a pas pour quitter camarade MVP qui a bail parcours. Et pour faire map Thomasin, Laboule, Fonjac, pour descendre Pèlerin, n'a pas gagné une activité devant Kay, ancien président, dans la soirée 6 ou 7 juillet, on soit et on sort de veillée patriotique pour permettre de continuer à sensibiliser, pour nous montrer, voyons signal, pour nous permettre à un assassin criminel qui prend pays en otage, chaque fois qu'on fait activité ça, c'est ce cadavre Jovenel Moïse qui a privé dans le tournée. Chaque fois que nous étions vivants, chaque fois qu'on a fait genre d'activité, c'est pour nous dire, bandits, criminels, sans foi, oligarques, corrompus, que nous ne pouvons pas bailler les gains. Et dans Jérémy, nous avons des activités, et nous pensons que c'est des activités, tant qu'on nous dit, qui nous permettent, d'une façon ou d'une autre, nous quimper mobilisation. Mais nous dit, après commémoration, ensemble d'organisations qui retrouvent, dans l'idée, dans la vision, dans le programme Jovenel Moïse et l'autre organisation qui décide de faire allier, nous tous nous rejoignons ensemble pour construire un véritable mouvement en face à Ariel Henry. Deux ans, Ariel Henry n'a pas décidé de faire élection. Deux ans, Ariel Henry n'a pas décidé de désarmer Gang Amélio parce que c'est Gang Amélio qui servit des bras armés pour qu'il continue de payer, qu'il me paye en otage. Eh bien, nous-mêmes nous disons, puisque nous rendons compte, c'est tout pays a définitivement qu'à plonger, eh bien, nous ne sommes pas dans le ciel vivant. Tout le monde qui veut dans le ciel, il faut qu'on mourir. Eh bien, nous sommes obligés de rentrer dans la bataille pour nous voir comment le pays est capable de sortir dans le Kachouboumbe, dans le marasme économique, social que le pays a prouvé le jour. Eh bien, c'est pour ça, matin, encore nous redis merci avec Presse Parler, Presse Écrit, qui va nous opportunité ça pour qu'aimer vivant mémoire. Jovenel Moïse et permettre nous continuer à mener lutte qui se joint justice pour Jovenel Moïse. Bataille là, nous avons continué à demander pour les Nations Unies pour nous supporter des démarches. Première dame, Martine Moïse, à Port-au-Prince, dans le cadre de plaidoyer l'a fait pour permettre un tribunal pénal international qui mettait sous pied pour tant de criminels qui participaient à l'assassinat de Jovenel. Parce que nous dit, des ans, si la justice tape tranché, tape agi sous dossier Jovenel Moïse, au moins tape une ordonnance. Nous, la seule ordonnance qui gagne, c'est l'ordonnance. Vous blanchi moun au lieu de arrêter moun. Moun yo te mette mandat derrière yo, pas de arrestation. Mais c'est comme si ces films sont soit, il y a invité Negyo, et puis Negyo tellement senti confortable. C'est comme si avant Negyo, le juge a dit, bon moun qui a arrangé ça pour vous, mais t'as pas gagné qu'à privé. Eh bien, nous comprenons jouer de son, film pour les cabriques là. Nous comprenons théâtre cap joué, nous comprenons ça cap fait là. Et c'est pour ça, nous encore continuer à demander support, la presse parlée, presse écrite, presse télévisée, pour nous capables de continuer à mener le combat pour permettre le dossier Jovenel Moïse, pas classé sans fin. Et nous-mêmes cap bataille pour jouer une justice pour Jovenel Moïse, pour empêcher oligarques corrompus continuer à faire intimidation sur nous. Merci encore pour support nous, pour solidarité nous. Résistance. Moi, Haïti stable démocratique. Saluer la presse parlée, presse écrite, presse télévisée, médias en ligne qui l'a eu. Nous saluer tous les compatriotes qui sont dans les réseaux sociaux. Et nous saluer plusieurs organisations qui accompagnent nous maintenant dans le cadre de la conférence là. Parce que nous avons MVP, nous avons mouvement arabe, nous avons sans prendre souffle, pour nous citer ça seulement. Matin, nous avons fait un coup de ça, dans l'idée pour nous capables d'abord solliciter, support, continuer à solliciter, support la presse parlée, écrit, médias en ligne. Qui ne peut jamais suspendre, accompagner nous pendant de l'année assassinat de Jovenel Moïse. C'est vrai, il y a des médias, dans les médias, nous avons des médias traditionnels qui sont avec nous. On prend une radio, radio Télé-Guinée, on prend une radio Télé-Clair.
médias, réseaux sociaux, médias en ligne, yo tellement pile, yo tellement encouragé nous, yo tellement kembe nous dans le combat, yo tellement aidé nous kembe mémoire Jovenel Moïse vivant. Nous pas gen mot, nous pas ka citer non yo parce que si nous pas citer non, n'a pas gen jalousie parce que nous pas ka songer tout Asnal camarade Sao qui accompagne nous pendant 2 ans dans la bataille Jovenel Moïse. Maintenant, nous là pour nous annoncer un ensemble d'activités que nous avons organisées de Port-au-Prince, au CAI, non, au Cap-Haïtien. Dans au Cap-Haïtien, nous avons gagné une chaîne d'activités qui a commencé devant parquet au Cap-Haïtien et qui a fait toute ville là bien messe. A des manifestations pacifiques dans le cadre de la commémoration deuxième année assassinat de Jovenel Moïse. Cap Vinbout devant cité, devant espace à côté président Jovenel, a réalisé aucune chaîne compagnie électrique. C'est 7 Philomène, c'est ça? 7 Philomène. 7 Philomène. Manifestation à Vinbout, 7 Philomène. Il y a monde qui disposé, qui est capable à bonjour mausoléa, capable à déposer chef de fleur, mais nous plus concentrer dans la deuxième commémoration sous béton, dans la rue. Par rapport à la situation misère, grand goût, insécurité, qui a pour ranger le pays depuis après 2 ans, assassinat de Jovenel Moïse. Mais je te dis, Jovenel Moïse, pas capable. Je te dis, même mieux capable. Je te dis, après l'homme Jovenel, non seulement il a établi la démocratie, il a fait justice machin. Je te dis, non, tout le monde est démocrate. Je te dis, et automatiquement, Jovenel allait, et Stephen Benoît, je te dis, automatiquement, Jovenel allait, le tapping a fini. Je te dis, nous tous constater, 2 ans après le départ de Jovenel, c'est comme si la cour a tourné, il y a un espace, côté tout le monde qui a pris le dans la cour. C'est ventilateur. Non, Kaila, mettre Kaila mouri. Mettre Kaila mouri. Moun kap passe qui t'a soi-disant dit, yo t'a héritier Kaila, yo t'a héritier la cour. C'était bien pour te mal calculé, c'est un paquet de volets. Yo rentre, yo prend vite qui n'a Kaila. Yo rentre, yo prend moteur. Qui télévisé. Jodi a, nous connaissons qui c'est 4 juillet 2023. Après 3 jours, va le faire 7 juillet, côté 100 peuple a coulé. 2 ans, depuis Reginald Boulos, raché Jovenel Moïse, nommé Martine Moïse. 2 ans, depuis Ariel Henry, entré comme président, li assassiné. 2 ans, depuis Reginald Boulos, te combiné oligarque, qui c'est Michel Joseph Matéli, yo te assassiné Jovenel Moïse. En bien, croit ça, peuple a réveillé tout bon bruit. Là, nous prenons la rue, nous prenons de justice pour Jovenel Moïse. C'est justice pour ça, pas capable. C'est justice pour le peuple à Saline. C'est justice pour le peuple qui a couru à petit paquet de sous tête qui va contre côté ou parler. En bien, je dis, nous avons une équipe arabe qui j'en campé. L'élevé bataille qui c'est Bois-Calé. Bois-Calé, c'est pour nous réveiller mémoire. Président Jovenel Moïse qui va être tolérance avec gang, avec Mandi. Qui va être tolérance avec gang. En bien, nous connaissons le président Jovenel Moïse. Qui j'en assassin criminel, ça a été transformé tête en diverses qualités pour gang. Là, on va faire fantôme 609. Ils ont créé pour gang. J'ai peur, j'ai ceci, j'ai ceci là-bas pour te déstabiliser président Jovenel Moïse. En mai, jour 7 juillet 2023, pour faire 2 ans depuis assassin, tu es entré avec le président Jovenel Moïse. Ils ont assassiné. Que nous connaissons toujours campé sous béton. Moi toujours campé pour ma bataille, pour ma chercher justice pour les Haïtiens. Côté Jovenel Moïse, il a dit bloc, route pour moi manger dans cette peuple-là. En bien Dimitri va te dire affaire pour moi 24 sur 24 là. Faut que Jovenel Moïse mouille pour parler pour moi 24 sur 24 là. Faut nous vraiment vrai qu'on y a. Peuple là-bas n'a pas gagné pour moi. Peuple là-bas a mangé. Peuple là-bas a une sécurité plus. En bien, nous venons déclencher une bataille pour Bois-Calé. Son façon pour nous réveiller la mémoire du président Jovenel Moïse. Côté Jovenel Moïse, il y a un tambour là, il y a un peuple qui a couru à ce paquet de sous-tête. Il y a un peuple qui est en souffrance. Il y a un peuple là, André Michel te dit, depuis Jovenel Moïse, il y a tout le bagage a changé. Il y a attenti.
Steven Benoit, tout le monde sait, l'amour de Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse, c'est la loi Kama. Je dis à nous, chien, commencez à démettre. Lundi, chien, à démettre. Nous, nous, quand éviter l'homme, commencez à vivre pour les amener sous même employé, Dimitri Vob. Qui est-ce qui va pas éviter l'homme? Dimitri Vob. Qui est-ce qui va pas éviter l'homme? Reginald Boulos. France LB, je dis à nous demander chaque nègre qui a des amener dans nous. Pour nous épargner dans le Bacaléa, pour les amener dans mon nom, virez sous Michel Matéli. Virez sous Ronald Nelson. Virez sous équipe bandit légal là. Équipe SDP qui t'a porté Zamba nous matin, midi et soir. Ça te fait ça. Guacale ça nous est là. Ce n'est pas seulement cette acte là-dedans. Ligue gazoline là-dedans. Ligue caoutchouc là-dedans. Ligue coute roche là-dedans. Elle-même qui a l'y mettre là-dedans. Ou bon, grande chance. Déposer les armes. Je dis à nous, on n'a pas que gang du fait alliance. Tout le monde s'est passé. Si nous avons dit qu'il s'est privé faire alliance, c'est Guacale. C'est ça fait dit chaque partisan, c'est partisan. Pas négliger bataille Guacalia. Ou même qui, quel pas arrivé pour un grand manche. Ou yon achetons, un gros mami dit maintenant qu'il a acheté un grand manche pour ta bataille. Parce que avec Guacalia, tout gang yon commence à faire. Je dis, allez, on vende alliance, il y a des pépinières gang yon qui commence à rebelle. Ou après de la fois dernière, vite l'homme qui avait 27 pitouilles ensemble. Parce que si les gens gagnent, ils ne peuvent pas prendre la rue encore. Si les gens gagnent la sapature, les gens prennent la rue, ils ont 10 qui étaient, ils ont 15 qui étaient. On va mettre le peuple là. On va mettre qui ça a fait. Ils ont tombé en rébellion. Je dis à la chef gang, ils ne peuvent pas prendre la rue. C'est demander alliance, mais nous ne pouvons pas prendre la rue alliance. Je dis à la pour nous porter tête au vini, pour nous remettre des âmes. Nous ne pouvons pas d'accord pour nous faire une alliance qui fait. Tandis que tous les âmes, nous avons dit, chef gang, pour une alliance qui fait, il faut que les âmes nous remettent. Je dis à Nabdi, bataille ici Jovenel Moïse, doit sortir une libération pour le pays. Bataille ici Jovenel Moïse, doit devenir une troisième guerre mondiale. Pété en Haïti. Ça fait ça. L'homme Jovenel, c'est un bagage qui est transnational. Amérique pas innocent dans l'homme Jovenel. Canada pas innocent. La France pas innocent. Et tant de pays pas innocent. Je dis à l'équipe arabe l'a dit. Nous croyons jeter de l'eau. Nous croyons les baleines nous. Vendredi soir, jeudi soir, pour entrer vendredi, qu'on connaît depuis vendredi 6 juillet 2021, Reginald Boulos, c'était qui a planifié à tout Michel Matéli, tout Ronald Nelson, toute équipe bandit légale là, pour détruire Jovenel. Mais depuis 6 nous-mêmes, nous avons veillé patriotique devant le président Jovenel Moïse. Nous avons 7 là, en pile cérémonie mystique à fait. Équipe parable accompagnée de toute l'autre de base, pour nous frapper tambour, pour nous aller tout esprit dans cette eau, parce que, grandement, chef, moi, c'est le délivrance, moi. Dans jeter de l'eau dans les baleines, il faut nous demander esprit Jean-Jacques Dessalines, esprit Papa Boukman, ban nous force pour nous délibérer le pays. Bataille Jovenel qui a mené, on continue à mener pour nous délibérer le pays. Merci la presse, moi faut que je sois présent chaque jour de la presse. Il dit que le groupe de choisir à son proche, alors que même le Massina, il dit vous présentez au monde de confiance et mon sao dans les dossiers, c'est la première fois qu'il signe un contrat avec. Donc, en ce sens, avance qui était fait avant Paris Salo, puisque nous avons encore en novembre, dans décembre, et nous n'avons pas besoin de payer pendant que nous payons ces matériaux. Et c'est des gens qui employaient dans le bureau. Nous avons fait des avances par rapport au fait de retard qui est bien. Et après ça, le chef de la ville, nous avons avancé chaque mois à l'heure, tout employé, toujours recevoir. Quoi que nous étions là parce que nous avons travaillé. Et pas bien aucun employé qui justement te peut te plaindre contre le bureau Sahara parce que tu as pris la maille, tu vas recevoir. Donc le bureau Sahara qui n'a eu pas de Vincent, bon PDH là, on arrive, tout le monde connaît, c'est la dedans de toute activité qu'on fait. Et depuis janvier 2020, que ma panne mon encore, il est parti à Interaction pour se contribuer pour que le bureau Sahara lui mette la vie. Et c'est parce que même employé qui est toujours là pour faire activité pendant que nous parlons avec eux là, et c'est ça que nous dit ni à juge là, ni à tout le monde, et moi je suis même payroll qui va nous faire chaque mois
pour avoir des salaires qui n'ont pas le droit pendant que moi-même, je suis là. Donc, voilà en gros situation. Et ces situations, ça, qui sont situations qui fait pour 30 sénateurs, selon le règlement Sénat, qui fait que nous disons que bien nous prenons décision et que nous faisons appel parce que nous connaissons que la décision n'est pas correcte, pas gagné, rien qui est fait en dehors de la loi. C'est un bureau qui a fonctionné. Nous disons que je dis à nous toujours répondre devant la justice. À plusieurs fois, depuis 2020, nous avons répondu devant la justice, soit à travers le SIC, soit à travers le commissaire gouvernement, soit à travers le juge. Nous avons beaucoup respect pour la justice et c'est pour ça que nous agissons selon justement la procédure judiciaire. Je rappelle tout le monde que moi-même, comme sénateur, ce n'est pas simplement moi dit que nous avons fait la justice, moi dit que nous avons fait la justice, mais moi j'ai contribué à renforcer l'indépendance de la justice. Si nous avons une institution, ça a fonctionné aujourd'hui, l'école de la magistrature, nous avons le CSPJ, c'est moi, comme président de la commission justice et sécurité, qui t'ai présenté trois lois. Une loi pour mettre sous pied le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire renforcer la justice dans son aspect, dans son indépendance organique et son indépendance juridictionnelle, le statut des magistrats et des indépendance juridictionnelle, et également l'école de la magistrature. Donc, moi, dans l'indépendance, moi, dans la procédure, et c'est pour ça, faire appel et nous toujours contribuer à renforcer la justice que nous gagnons de respect aux magistrats. Nous dit que la situation ça présentée là, je dirais, sont situations d'acharnement politique contre moi-même depuis 2020. Depuis 2020, nous avons une situation côté que l'ULCC est réglé pour question ferme la torture. Ferme la torture qui était prise encore au niveau de l'État et qui était contribué à renforcer la production nationale et qui débarrait environ 200 000 de travail de l'État. Il était réglé pour que l'État pose une question parmi 500 000 qui étaient prises pour l'État. Il y en a un monde et il y en a deux mondes qui étaient réglés et nous avons prouvé justement que nous devons les problèmes, mais investissements nous faisons et mais qui contribution que nous faisons dans le travail, dans les liens, jusqu'à ce que nous arrivions et nous devons payer pour ça. C'est-à-dire nous devons payer comme le département national, les certificats justement que la direction des portefeuilles par nous qui contribue comme ça, nous devons payer. Et après, situation ça, il y a rebalancé en moi avec nous, il est ici sous question Sénat. Malgré, même gens, de trouver 500 mounes qui étaient pauvres dans l'ONA, eh bien, c'est deux mounes qui ont été révélés, eh bien, il y a 30 sénateurs qui ont reçu leur frère qui va en monde de confiance, et c'est sénateurs à l'autre, encore une fois. Pourquoi que ils ont aidé, et nous comprenons à chaque moment politique. Mais nous disons, que nous étions calmes, la défaite du droit est éphémère. La défaite du droit est provisoire. Nous pensons que le droit a bien rétabli par rapport à la situation ça. Et nous-mêmes, c'est pour ça que nous avons annoncé que nous faisons appel, que nous faisons le chemin de la justice et que nous gagnons cabinet. La distance et le souci que nous-mêmes à continuer que la vie appelle pour que le mot du droit soit rétabli au niveau de la situation. En gros, c'est ça que nous avons annoncé aujourd'hui. Nous avons remercié tout le monde parce que nous avons fait ça et nous avons fait ça pour venir faire affaire à l'école de l'institution à la partie de juin 2023. Décision que nous avons. Merci. Tout ça, nous avons la pression.
Je vous remercie de ce que vous répondez à l'éducation et qui permet de commencer la loi. Merci pour votre présence. L'objectif de ça, c'est pour nous annoncer que nous faisons appel de l'ordonnance du juge Martin Jacob qui déploie la promo et le commissaire de la VR à date du 19 juin 2023. Ordonnance que nous-mêmes, c'est une semaine après que nous devons recevoir. Pendant que l'ordonnance a été qu'un temps dans la vie à commenter, mais nous-mêmes nous recevons le 26. Donc, nous faisons appel parce que nous contestons la décision. Nous ne sommes pas d'accord avec elle. Et en Haïti, le principe de souveraineté des juridictions permet justement que nous contestions une décision que nous ne sommes pas d'accord avec elle. Et l'appel de cette juge de l'affaire, l'appel est suspensif et motif. Et dans le cas de ça, on peut que le cabinet de magistrat associé, qui est le cabinet de garde pour les enfants, qui en charge pour le faire suivi. Nous pouvons épargner l'ordonnance, puisque nous avons une semaine qu'on va déjà recevoir. Et nous recevons le fameux que nous faisons appel. L'appel va nous dire que nous faisons le bagage, nous prenons déclaration d'appel que nous faisons dans bref, une avenue sens. Et après ça, l'appel a été signifié pour enquête dans cette instance. Donc, nous faisons exactement ça, la loi a dit. Et au niveau technique, cabinet, magistrat en charge pour nous ressortir pour que nous contestions décision ça. Et j'en dis à l'heure que décision, puisque la situation est dans la rue, la pandémie, alors que nous-mêmes, les intéressés là, nous avons déjà gagné nous-mêmes. J'en ai expliqué l'heure là, que c'était le 8 mars 2023, mon conférence que je vais faire, autant de journalistes qui sont là. Je vais expliquer la situation ça déjà. La situation que dit gagné dans la législature là, 29 sénateurs que règlement scénario à l'article 26. Eux, par droit, assurer des frais au bureau qui n'a du département. Moi-même, j'ai gagné 29 sénateurs, comme pour tout le monde, eh bien, je demande de nous choisir un monde de confiance pour que nous confions. Pour que nous fassions du boulot, puisque à un certain moment, il va nous faire un chèque sur le nombre de fois, il va nous faire un chèque sur le nombre, sur le sénateur, et nous avons choisi un nombre de confiance pour gérer le boulot. Et c'est ça, nous avons fait, même gens avec tout le sénateur, côté que nous choisissons un nombre de confiance, que question à recevoir au ciel, et que pour les comptes, avaliser Bonza par un contrat que Dieu s'y appelle pour que Dieu recevoir les frais de ce bureau. Et justement, en 2016-2017, c'est mon droit de une partie, et à partir de 2017, c'est la part du travail de la Capitale, qui est donné sur sa droit jusqu'à janvier 2015. Et ça, juste la reprocher dans l'ordonnance, c'est prise illégale de l'État.